That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the Salut tout le monde, Gab le Gamer ici pour l'épisode numéro 50 de LSPDFR Québec. Merci tout le monde d'être là, merci tout le monde. Assisez-vous confortablement, on va commencer ça dans pas long avec la Dodge Caravan Undercover qu'on a derrière nous. Donc banalisé si on veut. On va faire un épisode avec le SPVM avec cette caravane là dans le secteur des gangs. Il est 10h le soir, l'activité des gangs commence à faire son effet. Donc on va aller patrouiller là-dessus, surtout se concentrer sur les appels, vérifier le trafic aussi si on ne verrait pas des gens en état d'ébriété au volant. Donc si vous êtes prêts, ben attachez-vous, on y va dessus. Unit 1 King 18. We have a traffic alert for a wanted felon on the loose. I'm nearby. I'll take the call for you. Bon ben, on vient d'avoir notre premier. Il passe pas quand il est vert, mais il décide de passer quand il est rouge. Ah, oh, puis il va décider de sauver. 18, on va être en poursuite d'un véhicule bleu, décapotable bleu, direction Est sur Davis Avenue. Vitesse de 60 km/h, trafic est moyen, visibilité est bonne. On va transporter ça direction Est sur Capitol Boulevard. On traverse Little Big Horn. Toujours 50 km/h. Visibilité bonne, trafic est léger. Stop your vehicle, you fucking piece of shit! Drop ton... Arrête! Arrête! Arrête ton char, police! Toujours direction Est sur Capitol Boulevard. On arrive au coin de El Rancho. On va tourner à gauche sur El Rancho, direction Nord. Envoyez-moi une supplémentaire, s'il vous plaît. Attention all units, a 1099 on El Rancho Boulevard. Units respond code 3. Toujours direction Nord sur El Rancho, collision avec un autre véhicule au coin de Mirror Drive. Qu'est-ce qu'il fait là? On tourne de bord direction Sud sur El Rancho.
Bloque-les. Sors du char, c'est fini. Les mains des airs. À terre. Vous m'avez? Ok, good. Le 18 suspect maintenant est maîtrisé. Au coin de Mirror Park Boulevard. Bon! On va vous asseoir ici s'il vous plaît en attendant qu'on ait tassé les chars dans le chemin, ce sera pas trop long. Fermer la sirène aussi. Bon. Donc, je vais me positionner pour fermer la voie. Comme ça, on va allumer haute. On va allumer les lumières jaunes pour que le monde en arrière nous voie comme faut. Bon, pourquoi vous sauvez comme ça? Hein, je voulais juste vous parler parce que vous avez fait un U-turn sur la rouge au coin de Davis puis de Strawberry. De Grove Street et de Strawberry, je veux dire. Puis là, vous avez décidé de vous sauver. Donc, ça aurait pu être juste un simple avertissement, peut-être un ticket, dépendamment à comment vous me répondiez. Puis là, ben, on escale ça à une poursuite avec conduite dangereuse, puis... L'évasion, puis tout ce que vous voudrez. Vous avez foncé dans le char là-bas aussi, puis vous êtes sauvé. Donc, on va rajouter délit de fuite là-dessus. Est-ce que vous avez quelque chose sur vous qui pourrait me piquer, blesser, me faire mal ou faire chier? Je te twerk ça. On trouve un Kinder Surprise, du fentanyl, une canne de Pepsi, une carte cadeau Tim Hortons, une boîte de Pogo. Bon! Dispatch calling unit 1 King 18. We've got a possible robbery in Mirror Park. Donc, on rajoute du fentanyl à ça. Donc, possession simple d'une substance contrôlée. Bon, ok. On va arrêter cela pour l'instant. Je vais juste vérifier avec la pièce d'identité que j'ai trouvée sur vous. Dis-toi, si tu as besoin d'un type 2, s'il vous plaît, sur un monsieur César Alvarez, 630414. Permis valide, pas de mandat. Ok, attends-moi ici, on va aller checker ton véhicule, ce sera pas long. Ok. 18, besoin d'un type 1 aussi sur le véhicule du client. Ça va être plaqué de l'Ontario, 8-1 Henry Union X-Ray 319. Target vehicle license plate. 8-1 Henry Union X-Ray 319, no 1099. Bon, pas de l'air à avoir rien là, on va fouiller comme faut pareil. Attention unit 1 King 18. We have vehicles racing in Mirror Park. Oh! Une bouteille d'alcool ouverte, de l'héroïne, si bon, c'était tout un party. Dispatch, this is Ocean 1 responding. Dans la valise, on trouve... un couleur avec des balles de neige puis une paire de bas. Ok. Puis côté passager, on trouve de la cocaïne, une bouteille de sirop d'érable puis une passe d'autobus. Ouais. Du fentanyl, la cocaïne, l'héroïne, un Kinder Surprise. Maudit. Tout un party. Puis du sirop d'érable brûlé avec tout ça. Bon, monsieur Alvarez, avec la quantité de stupéfiants qu'on a trouvé dans votre véhicule sur votre personne, on va monter ça d'un cran avec possession dans le but d'en faire le trafic. Vous avez évasion, conduite dangereuse, toutes les excès de vitesse et les infractions routières que vous pouvez imaginer. Délit de fuite pour avoir frappé le char puis vous êtes sauvé, avoir continué votre route après. Donc vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous dites pourra et sera retenu contre vous en cours. Vous avez le droit d'avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire, puis si vous ne pouvez pas vous en payer un, vous sera fourni d'office. Comprenez vos droits?
Parfait, c'est bon. On va faire venir un transport. Mais j'ai trouvé une bouteille d'alcool aussi ouverte. On va faire un test d'ivresse juste pour être sûr que c'est pas vous qui l'avez ouvert en conduisant, vous n'avez pas bu. Donc juste à souffler là-dedans jusqu'à temps que le voyant tourne au vert. Faut vraiment extirper toute l'air de vos poumons quand vous soufflez. Donc vous soufflez jusqu'à temps que je vous dise d'arrêter. À go! Souffle. Envoie encore un peu. Ok, c'est beau. Donc 0.024. Vous n'êtes pas en haut de la limite, mais vous avez bu en conduisant. Au moins ça, là-dessus, vous êtes safe. Donc, on va vous coller un transport. Vous amener en prison, en cellule pour la soirée. Demain, vous allez pouvoir passer un juge pour votre procès sur libération. Puis, c'est une date pour le procès final. Donc, le 18 au studio, est-ce que je pourrais avoir un transport pour mon client, s'il vous plaît? On est sur Mirror Park Boulevard au coin de West Mirror Drive. Assistance needed for a suspect placed under arrest on Mirror Park Boulevard. Dispatch, this is Charlie 29 inbound code 3. I'll take an area. Roger. Ça va me prendre un 10-27 aussi pour le véhicule. Donc, payote bleu au même endroit. Hello. Bon. Voilà le transport. Que je voulais commencer ça smooth aujourd'hui, mais ça n'a pas marché. Hein? Le jeu ne nous a pas laissé faire. Fait que pendant que le towing arrive et qu'il part avec le véhicule, nous autres, on va se préparer pour aller en prendre un autre. On va être 10-05. We have a report of a criminal activity, a holdup in Murrieta Heights. Point le 18, attachez-moi à ça. Tassez-vous. On va réduire pour pas qu'il nous entende venir. Même s'il nous a probablement déjà entendu. Donc ça serait le dépanneur ici. Le 18 au studio, je suis sur zone. You little dick. Non. À terre. Police. Drop ton gun. À terre. Thank you. Zut au studio, je suis pas menotté maîtrisé. Bon. Monsieur Richardson, vous aviez un fusil, vous l'avez mis. Ah oui? Cause ça de la vitre, là? Bon. Lui, il sac son camp. Hein? Il dit non, moi, mon shift est fini. Pas rien ici. Bon. Non. Toi, dehors. Ok. Assieds-toi ici, là. On va juste tasser le véhicule un peu pour laisser passer le trafic. Bon, Monsieur Richardson. Dispatch calling unit 1 King 18. Citizens reporting a petty theft on. Donc, on a eu un appel pour un vol à main armée, puis on vous a pogné en flagrant délit. Vous êtes en état d'arrestation pour vol à main armée, possession d'un arme à feu et d'avoir utilisé un arme à feu dans un dessin dangereux. Donc, vous avez le droit de garder silence. Tout ce que vous dites peut sera retenu contre vous en cause. Vous avez le droit d'avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire. Si vous pouvez en payer un, vous sera fourni d'office. En parlant d'un arme à feu, je vous ai vu sortir avec, mais je l'ai pas vu à terre. Est-ce que vous l'avez encore sur vous? Est-ce que vous avez d'autres choses dans vos poches qui pourraient me piquer, me blesser? Rien d'intéressant. Bon. Ça augure pas bien, ça. Il l'a mis où, son gun?
J'ai vu que t'avais un gun. Tu me l'as quasiment pointé dessus. Puis t'as été chanceux en sacrement de pas me le pointer dessus parce que... Je pense que ça aurait été pire que ce que tu vas avoir là. 18 aussi. J'ai besoin d'un type 2 s'il vous plaît sur un monsieur James Richardson 560206. Permis suspendu. Puis il y a un mandat. Bon, parfait. Captain, merci, envoyez-moi un transport, mon prisonnier. Assistance required for a suspect placed under arrest in Murrieta Heights. Bon, puis en plus de ça, M. Richardson, vous avez un mandat d'arrestation qui pèse contre vous, donc on va rajouter ça à vos, à votre dossier. On va faire venir un transport qui va vous amener en cellule pour la soirée, puis demain vous allez pouvoir parler à un juge avec un avocat. Vous avoir droit à un téléphone aussi rendu sur place. Bonne fin de soirée. Ugly bastard! Oh! La première fois que je l'avais, ce câble-là. Un beau petit câble. C'est plate que ça ne mette pas de ligne sur le sur la carte du GPS, par exemple. Ça aurait été intéressant à avoir. Une chance que je savais c'était quel dépanneur qui parlait, parce que... Arrêtez plus dur à trouver. Nous autres, on va retourner dans notre secteur. On a dévié un peu de notre course. On voulait faire une place d'un gang. Puis finalement, on s'est retrouvé dans le secteur UP de la ville. Fait qu'on va redescendre dans notre secteur. Puis on va être 10-05. Non, elle était rouge. Elle est encore rouge. C'était beau, ça. Ça va te valoir un beau ticket. Collez-vous un petit peu plus sur le trottoir de passer à la bonne fontaine. Encore une petite affaire. Comme ça, c'est beau. Le 18, je vais être en triple 4 sur Alta Street. On est à côté de la, du centre de recyclage. Ça va être avec un véhicule gris deux portes. Bonjour monsieur, Gab le Gamer avec le SPVM. Vous savez pourquoi je vous arrête? Ouais, là-bas, au coin de la rue, là-bas, il y avait un feu rouge, puis vous étiez arrêté un petit peu passé la ligne, puis un moment donné, vous avez décidé de passer sa rouge. Je sais que vous étiez déjà engagé, mais juste parce que vous n'aviez pas arrêté avant la ligne, ça ne veut pas dire que vous avez le droit de passer sa rouge après qu'elle soit virée rouge, si longtemps après qu'elle soit virée rouge. On a besoin de vos pièces d'identité, s'il vous plaît. Permis de conduire, matriculation, preuve d'assurance. Parfait, monsieur Speed. Attendez-moi un instant, je vous reviens avec ça. Cato Speed. Bon, je vais essayer de me tasser un peu pour laisser passer les autres, là. Ok, donc Cato Speed, c'est un Manana, c'est ça, je cherchais le nom du char tantôt, un Manana. Donc son Manana, assurance valide, plaques sont valides, permis valide, il n'y a pas de mandat, c'est jamais fait arrêter. Wow, ça c'est étonnant. Ok, c'est jamais fait arrêter. Parfait, on va faire d'autres vérifications, mais on va essayer de ne pas entacher son dossier vierge. 18 au studio, j'ai besoin d'un type 1 sur le Manana gris s'il vous plaît. Plaque du Québec 2-3 Queen Richard David 377. Target vehicle license plate 2-3 Queen Robert David 3-7-7-0-10-99. Captain, merci. Bon, fait qu'il n'y a vraiment rien sur son dossier. Ok, on va aller faire des petits tests. Puis si tout passe, on va le laisser partir avec un avertissement. Tente pas d'entacher son dossier vierge, c'est assez rare au Québec.
Merci, Monsieur Speed, de votre patience. Juste une question comme ça. Est-ce que vous auriez bu, par exemple, aujourd'hui? Vous voulez votre avocat? Non, non, on n'est pas rendu là. Pas rien d'illégal non plus dans le véhicule? Non. Puis vous allez où comme ça, à soir? Juste une promenade. OK. Ben écoutez ce que je vais faire. Vous avez un dossier complètement vierge. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça, surtout dans le monde de Grand Theft Auto qu'on vit. Donc, je vais vous laisser aller avec un avertissement. Faites attention à ça, soyez prudents. Les lumières rouges, ça veut dire arrêter. Si elle est verte, quand vous arrivez à la ligne, vous avez le droit de vous engager, passer la ligne si vous voulez tourner à gauche, mettons. Mais là, vous avez continué tout droit, donc c'était vraiment pas une question d'être engagé dans l'intersection pour pouvoir tourner une fois que vous avez la chance. C'était vraiment, vous avez passé sa rouge tout simplement. C'était pas dangereux, votre dossier est vierge, vous avez coopéré. Donc je vais laisser aller avec un avertissement, mais la prochaine fois, ça va être un billet d'infraction. Donc soyez prudents, bonne fin de soirée. On peut pas tout le temps être chien, tu sais, des fois, il faut laisser des chances. 18 au studio, je vais être 10-05. Un barcelon. Wow! Ouais, non, ça, c'était pas correct. Véhicule là qui boucanait, il avait l'air de rouler sur un flat. C'était-tu le petit gris ici? Je pense que ouais, ça boucane son histoire. Un flat en avant, il est accidenté, ça boucane de partout. On va attendre après l'intersection, là, on va pouvoir l'arrêter, passer à la curve, est-ce que c'est plus sécuritaire? Ouais, collez-moi ça à droite, s'il vous plaît, sur le trottoir. Encore un petit peu. On redresse. Comme ça, c'est beau. Le 18 au studio, je vais être en triple 4 avec un Zion gris accidenté. On est sur Davis Avenue au coin de Starberry. Qui décide de traverser la rue dans le milieu de la place. Bonsoir monsieur, Gab le Gamer avec la police de Montréal. Savez pourquoi je vous arrête? Votre véhicule n'est pas en état d'être sur la route malheureusement, donc j'aurai besoin des pièces d'identité pour commencer. Permis de conduire, matriculation, preuve d'assurance du véhicule s'il vous plaît. Jessica Holiday. C'est vous ça, Jessica Holiday? Ça me paraît... OK, ben laissez-moi aller faire des vérifications, là, je vous reviens sur le bord. Ça semble... tu sais, c'est sûr qu'on est en 2018, on peut plus juger, là, mais... ça n'a pas de l'air d'une Jessica. Juste de même. OK. 18 au studio, je vais avoir besoin d'un type 1 pour commencer sur le mont Zion gris s'il vous plaît. 46 Union Edward Queen 953. Target license plate 46 Union Edward Queen 953 no 1099. Capté, merci. Bon, le véhicule appartient pas à Jessica. Je sais même pas quoi faire de ça, ça... M'as-tu présenté une fausse pièce d'identité? Ça se peut-tu, ça? Okay, on va aller voir dans l'ordi, qu'est-ce que ça dit. Donc, le Zion 2, valide, Christy Riders. Lui non plus, il n'a pas de l'air d'un Christy, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est-tu moi qui est pas correct? Ok. Puis... pet database, Jessica Holiday. Aha! Bon, ok. Je vais
laisser mes jugements de côté. C'est rare que je fais ça, mais je vais laisser mes jugements de côté parce que si c'est vraiment la bonne pièce d'identité qu'ils m'ont fournie, son permis de conduire est expiré depuis un petit peu plus qu'un an. Donc, on va y enlever son char. Déjà, on ne l'aurait pas laissé partir avec son char parce qu'il n'est pas en état de rouler, mais en plus, son permis est expiré. Donc, on va aller sévir, hein? On n'a pas le choix. On va aller montrer une petite leçon à Jessica. Merci d'avoir patienté. Donc, en fouillant dans les dossiers, on a remarqué qu'il y a des petites affaires qui fonctionnent pas. Votre permis de conduire est expiré depuis un petit peu plus qu'un an. Puis en plus, votre véhicule n'est pas apte à rouler sur le chemin dans l'état qui est là. Donc, on va vous écrire des billets pour ces offenses-là. Donc, on va commencer par... permis invalide. Ensuite de ça, inspection mécanique. Véhicule non conforme. Puis, c'est assez. Donc, ça nous donne un total de 715$ avec les frais. Il n'y a pas de point d'inaptitude qui s'ajoute à votre dossier, mais malheureusement, on va saisir le véhicule aujourd'hui. Donc, vous avez 30 jours pour contester les offenses. Pour ce qui est du véhicule, vous allez pouvoir venir le chercher à Fourrière avec une remorqueuse de votre choix quand vous allez avoir quelqu'un qui va nous montrer un permis valide. Donc, allez-vous-en pas trop loin, là. Non, 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 non. Allez-vous-en pas trop loin. Je suis en train de vous expliquer l'étiquette, là. Pas le temps de partir. Fait que c'est ça, vous allez pouvoir venir le chercher. Le véhicule est en fourrière minimum pour 7 jours. Vous allez pouvoir le chercher avec un autre remorqueuse. Puis on va vous le relâcher tant que vous nous montrez ou que vous venez avec quelqu'un qui a un permis valide ou que vous rangez votre permis d'ici là. Pour les billets, vous avez 30 jours pour les contester ou pour les payer. Juste à compléter l'endos du billet selon le cas. Puis vous envoyez ça avec la petite enveloppe de retour. Donc là, votre taxi va vous amener chez vous ou où est-ce que vous voulez aller. Passez une belle fin de soirée, soyez prudents. Puis nous autres, ben, on a le temps pour un petit dernier. Un petit dernier. 18, je vais être 10-05. Reporting an attempted bank heist in Davis. Oui, le 18 en direction. Bon, qu'on a une tentative de vol à main armée. Le spawn code 1. Ok, donc c'est un véhicule qui a été impliqué dans un vol de banque. On a la licence du véhicule, c'est un pony. Ça a l'air d'être lui qui est juste là. En avant du camion qui est en avant de nous, là. Mais je pense pas que le camion va nous laisser passer. On va s'infiltrer à côté. On va... comme ça. Bon, puis il va sauver. Ok. Ouais, le 18, on va être en poursuite du véhicule mentionné, recherché pour le vol de banque. On est sur Bogue Avenue, direction nord. On va tourner à droite sur McDonald Street, direction S. Envoyez-moi des additionnels, s'il vous plaît. Oh, un autre caravane qui arrive en avant. Sortez de char! Oh! Oh! Sortez de char! Ça a pas marché.
On poursuit notre route sur McDonald's. On va tourner à gauche sur Little Big Horn. Trafic est léger, visibilité est bonne. Les autres polices sont stupides. Oh! Coup de feu! Ah, c'est l'hélicoptère, je suppose. Ouais. Arrête ton char! Arrête ton char, ça vaut pas la peine! Continue de refuser de tempérer à nos ordres. Toujours direction nord sur Little Big Horn au coin Crusade. Envoyez-moi un tapis clouté, s'il vous plaît. Backup needed. Target vehicle license plate 73 Tom Sam 620. Toujours direction nord sur Little Big Horn. On vient de traverser Adam's Apple. On passe derrière le quartier général de quartier 17. Où est-ce qu'il y a mon tapis clouté? Backup required. Target vehicle license plate 73 Tom Sam Sam 620. Qu'est-ce que c'est ça? Bon. Sors du char! Sors du char, c'est fini! À terre! À terre, à terre, à terre! Couvrez-moi, les gars! Tu l'as? Ok, good. Moi j'ai lui. Allez pogner les autres, allez pogner les autres. Police, stop whatever the hell you're doing. Ok, à terre. L'autre il est allé entre les deux wagons. Ok, lui là, good job. Allez pogner deux autres, allez pogner deux autres. Ok. Good. Asti que je t'annexe la plante. Calisse que je t'annexe la plante. Bon, lève-toi. LSPD, don't make me shoot ya! Citizens reporting of possible 148 on San Andreas Avenue. Qu'est-ce que c'est ça? Oh my god! Jeez! Citizens report a public nuisance. A bicycle heading westbound on Del Perro Freeway. Bon ben, il n'y a plus rien à faire avec ça. Le jeu veut plus coopérer, puis ça a fait des scènes assez loufoques. Mais bon, on va se laisser là-dessus avant que mon ordi explose. Donc, j'espère que vous avez apprécié quand même l'épisode de numéro 50. On se voit samedi pour le live à compter de 19h. Manquez pas ça sur la chaîne YouTube. L'épisode 61. Ouais, c'est ça, 61 qui va être live.
Donc samedi à 19h. Manquez pas ça. Là-dessus, soyez prudents pour cette semaine. Puis on se voit samedi. Bye bye. Attention all units, citizens report speeding on Occupation Avenue. This is Adam 5, copy that, we'll keep an eye out. C'est une date pour le procès final, donc attendez un instant, je vous reviens avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça. Police! Let's see! Sans de char! Non! Bon! Hey! Crise de con. Non, non, non! Toi, à terre avec ton couteau, drop ton couteau! Hey, le backup n'a pas été très très utile là-dessus. Tu te mets en avant de moi, j'ai un gun pointé sur lui. Ouais, merci.